À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invité, interview, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Jeudi 13 août 2020, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. M'a dit nous bienvenue sur antenne Radio Ibo. Bienvenue dans le Sport Mania, 4e sortie. Nous pour semaine là. Fred Adou dans micro pour présenter lui et puis c'est Mickenton Jean qui a assuré manœuvre technique. Quelques points qui peuvent faire essentiel numéro journée jeudi, on a gagné pour nous parler de la Ligue des Champions. Oui, Ligue des Champions Final 8. On a gagné pour nous faire débriefing match Paris Saint-Germain face à l'équipe Atalanta de Bergame. Un match qui fait en pile parole en pile et en France et en Italie. Et en pile critique concernant la gestion de la fin de rencontre sous Giampiero Gasperini. Et en pile félicitations tout pour la rentrée de Kylian Mbappé. Nous allons parler de ça dans l'émission Journée Jeudi. Toujours Ligue des Champions, on a fait briefing match RB Leipzig face à l'équipe Atlético de Madrid. Là, c'est deuxième quart de finale. Là. Vainqueur quart de finale, ça va rencontrer Paris Saint-Germain au stade des demi-finales. N'a pas pour nous parler de ça. Et puis, on a fait le tour de la presse sportive européenne, comme d'habitude. Et quotidien italien ou quotidien français, on était focus sur le match Paris Saint-Germain face à Atalanta de Bergame. Là. Et puis, journal du Mercato, équipe Milan AC qui a bougé, qui t'a aimé renforcer pour la saison prochaine. Tiemoué Bakayoko, Lucas Torreira, c'est deux joueurs que Milan AC t'a aimé faire acquisition. Basketball NBA, c'est pas l'émission tout. On a pris résultat tout match qui était joué hier soir. On a pris statistiques. Et puis, on a pris programmation pour reste programmation semaine. Et puis, on a gagné tout pour analyser
possibilité pour nous jouer une huitième qualifiée dans la conférence Ouest-Lan. Et c'est là, Bagalan Boal, très important puisque quatre équipes ont gommé pour une seule place. Et c'est Portland qui gagne huitième place, qui boit un bel gommé là avec l'équipe Memphis. Nous avons gagné pour nous faire analyse sur ça. C'est tout point ça, Wack Lot, qui va le faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Hein. Restez branchés pour détails, nous allons tourner exactement après. Gardez-moi le passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis que vous avez fait fenêtre avec porte sur ma chère. Là, vous avez gardé des fenêtres. Profitez par le numéro de téléphone. 509 37 36 40 45. 509 37 36 40 45. Ou bien TBOSA à commercial@gmail.com. Équipe technique là débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relé yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture rue Tebo. TBOSA, la force de l'expertise. Madame ou belle toui. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finances et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumio, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Est-ce qu'on entendait parler de corona? Yo disons virus qui pas joué, ouais. Nouveau coronavirus là, c'est une maladie tant que toute maladie. Riche ou pauvre, blanc ou noir, si moun ou grand moun, nous tout caprel. Pendant qu'on continue à protéger tête nous, on supporte si là qui déjà malade yo. Pas allonger douette sou yo, pas attaquer yo. C'est un moment difficile ça yo même pour nous plus solider. Solidarité, solidarité. On bay moun ki infecté ak nouveau coronavirus la chance pour joindre soin que ka yo mérité sans qu'elle saute. Violence pas la donne. Youn voyager sous l'autre, youn protéger l'autre.
C'était un message ministère santé publique à population à Sipo UNICEF. Lavez mes amis de temps en temps. Vous êtes passionné du sport, particulièrement du football? Vous désirez en acquérir plus de connaissances? Fred Ndou vous offre la possibilité à travers un séminaire de formation sous le thème Comment présenter une émission sportive et tout sur le lexique du football. Les intervenants à ce séminaire sont Jean-Pierre Etienne, chroniqueur sportif à Radio Ibo et à Télé-Pacifique, et aussi le sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont. Ce séminaire aura lieu au local de l'IHECE, 275 avenue John Gwawon, dimanche 30 août 2020, de 8h à 3h PM. Frais de participation 2600 gourdes. Pour information, tapez 32 03 81 91 38 19 30 30. Ou passez-vous inscrire au local de la Radio Igbo, au numéro 2 à Delma 49. Ce séminaire est supporté par Tim Ashley, Ola Market, Radio Igbo, IHECE et JB Basket Promotion. On vous attend tous! Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Mes informations en détail. Nous allons parler de la Ligue des Champions. Et hier, tu as gagné le premier match dans le Final Atlant. C'était Paris Saint-Germain face à l'équipe Atalanta de Bergame. Un représentant de la France face à une autre formation qui sortit dans le pays d'Italie. C'est la seule équipe italienne qui était arrêtée dans la Ligue des Champions. Ça. Donc, bel match football et un peu l'émotion. Toutes les deux équipes ont été démarrées avec Onsa. Sportier Roland Camp pour l'équipe Atalanta de Bergame. Trois arrières centraux qui étaient là dedans Raphaël Toloi, Caldara et puis Jim City. Mitan terrain, tu as gagné Atebor de Woun, Frélo et Gossen. Et puis en attaque, tu as gagné 2,9 derrière deux pointes. Pasalic avec Pau Gomez. Et puis comme attaquant de pointe, c'était Duvan Zapata. Côté Paris Saint-Germain, c'est un 4-3-3 classique, mais dans l'animation du jeu qui était semblé avec un 3-4-3 plutôt. Dans quand tu as Keylor Navas qui sorti sur blessure et qui probablement capable pas jouer demi-finale. Et en défense, tu as Thilo Kehrer latéral droite, Juan Bernat latéral gauche, Kimpembe avec Thiago Silva de arrière centre. Mitan terrain, tu as gagné Marquinhos comme demi-défensif en sentinelle. Gay avec Ender Herrera comme 2-8. Et puis en attaque, tu as Neymar à gauche, Pablo Sarabia à droite, et puis Icardi qui jouait un très mauvais match. Icardi était en pointe comme attaquant de pointe équipe. Ça, premier bagage pour nous signaler, tu as un pile carton jaune, surtout du côté de l'Atalanta de Bergame. Et pas moins de 6 à 7 cartons jaunes de côté Atalanta de Bergame, 6 cartons jaunes et 3 cartons jaunes côté Paris Saint-Germain. Ouverture du score par Pasalic à la 27e minute du jeu, mais dans le moment ça où dans pour une période dans surtout Neymar perdu deux face à face et devant gardien de but là et ça pas arrivé le facile parce que Neymar son bon finisseur. Pression était sous deux équipes Atalanta de Bergame, mais ça qui vient changer physionomie match, c'est la rentrée de Kylian Mbappé. Le Kylian Mbappé vient d'entrer dans le match, qui ça le fait comme impact? Il fait équipe Atalanta reculer, gagne Atebowen, demi-latéral droite, équipe Atalanta de Bergame, qui était très offensif, obligé de faire back Kounia parce que il y a un danger imminent avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé avec accélération, parce qu'il était beaucoup plus frais que qui joue Atalanta. Non seulement forcé ou fait faute, et li fait autour prend carton jaune dans match football là. Donc Kylian Mbappé c'est une grosse menace pour équipe Atalanta de Bergame là, et qui permet équipe Atalanta et ou qui permet Paris Saint-Germain vienne plus menaçant dans match. Si n'a regardé statio 39% de possession de balle pour l'Atalanta et 61 pour équipe Paris Saint-Germain là. C'est normal parce que Atalanta t'a mené dans score là, donc c'était aux Parisiens de faire le jeu. Et 16 tirs côté parisien, 6 cadrés, 9 tirs côté Atalanta, donc 4 cadrés. Et puis, beaucoup plus de passes côté Paris Saint-Germain. Donc, l'équipe Atalanta a fait 29 fautes dans le match football. Là. C'est vraiment étonnant. Et nous pas attendre à quantité de fautes ça côté Atalanta et 13 fautes côté Paris. Beaucoup de fautes. Une raison, c'est parce que deux équipes ont manqué rythme.
Donc qui à chaque accélération adversaire là et obligé faire faute parce que ou a quitté le DS il quitte aller. Donc qui ceci peut expliquer cela. Mais gagne une grosse polémique dans match là et nous t'arrêt même parler de ça. Par exemple équipe Atalanta a fait un pile changement côté Paris. Sergio Rico rentré dans place et gardien de but là Keylor Navas qui était blessé, gagne Mbappé qui entré dans match là. Et gagné Leandro Paredes tout qu'entré, Maxime Choupo-Moting avec Draxler. C'est Mounsa qui entré. Côté équipe Atalanta, gagne Palomino et Luis Muriel qui entré dans place Zapata, gagne Malinovski d'arriver avec Timothy Castagne. Alors, Raymond Domenech, qui c'est ancien sélectionneur la France, monsieur font tweet côté que les critiquer entraîneur italien. Alors dans tweet même qui ça monsieur dit bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasperini pour ces changements en fait de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens, grand tacticien sur ce match reste une légende. Donc qui ça monsieur voulait dire? Alors m'a parlé de Raymond Domenech. Monsieur veut faire connaître que ces changements Gasperini en fait de match qui fait que l'équipe Atalanta a perdu match sur le fil. Atalanta prend deux goals dans ce match. Et 89e minute de jeu, Kenyé et Marquinhos qui a créé sur le nombre en attaque qui est égalisé. Tout le monde attend que vous prenez la prolongation. Et bien, en fin de match, son accélération de Kylian Mbappé, centre, et puis Maxime Choupo-Moting, monsieur Jaï, pour le fond tacle le tir, pour le pousser ballon l'encan, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. C'est ça que fait la presse parler de, le Parisien parler de renversant, scénario renversant. L'équipe parler de dément, son bagage qui démentiel sacrivé. Hein. C'est Paris qualifié pour demi-finale de la Ligue des Champions, son grande première depuis 20 ans. Donc, et de 2000 à 2020, Paris n'a jamais joué demi-finale de Ligue des Champions, son grande première pour l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, et d'après Edmond Domenech, le changement Gasperini, c'est lui-même qui fait équipe et Atalanta a perdu match. Donc, monsieur critiqué entraîneur italien, et bien, il y a un pile journaliste italien qui répond, monsieur. Par exemple, il y a un journaliste italien qui fait connaître que la France produit un pile entraîneur ces 40 dernières années. Par exemple, il y a Hidalgo, il y a Deschamps, il y a Jacquet, il y a Roger Lemaire, il y a Zidane qui est très extraordinaire aujourd'hui. Heureusement pour nous-mêmes, pas oublier qu'ils sont italiens qui répondent, il n'y a pas de souban la France en 2006. C'est réponse à Yobay Raymond Domenech pour et ça. Fait, alors, le monde qui fait tweet ça lui-même, c'est Paolo Condo, qui sont journalistes dans les médias qui les raillent. Donc, Paolo Condo répond, monsieur, il fait connaître que c'est vrai que il dit, entraîneur italien, c'est de beaux tacticiens, c'est son légende. Eh bien, la France produit de bels entraîneurs ces 40 dernières années. Mais chance pour nous, nous-mêmes Italiens, ce n'est pas eux-mêmes qui étaient sous banc. En 2006, ça son réponse sur Bay Raymond Domenech. Pas oublier que l'Italie champion sous la France en 2006, finale Coupe du Monde. Et pas oublier scénario match. Materazzi a provoqué Zidane. Et Zidane font un coup de boule, un coup de tête dans l'estomac Materazzi. Ça qui te fait que Elizondo, qui était arbitre central match football, te baille Zidane carton rouge. Et à ce qu'il paraît, bagaille s'est arrêté au travers de la gorge de Raymond Domenech, qui c'est actuellement consultant à l'équipe. Donc, monsieur, t'as suivi match hier, t'as fait des commentaires et tweet ça, vraiment italien, yo prend plaisir pour yo commenter. Et gon l'autre encore, et on l'autre journaliste, Alessandro Antinelli, et qui fait tweet par lui. Monsieur dit que, moi, rappelez-moi de vous-même, la parler de Raymond Domenech à la Coupe du Monde 2006, mais surtout à la Coupe du Monde 2010, côté coton légende. Yon légende de comédie avec Anelka. Bonne journée. Pas oublier que, alors, à qui ça monsieur fait référence? Monsieur fait référence à histoire et Krasna, côté que joueur la France, yon pas de entraîner, yon te font grève. Et c'est Raymond Domenech qui t'a conduit sélection française là à l'époque. Donc, qui son façon pour yon répondre, Raymond Domenech, à tweet ça que tu fais sur la légende des entraîneurs italiens. Comme Zimdado, entraîneur italien, c'est de bons tacticiens. Et pourtant, ce n'est pas vrai parce que Gasperini fait mauvais changement. C'est les mêmes qui perdent du match. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais plus ouais que ces changements et qui est Mbappé avec Baye Victoire.
Et bon, la presse, gon bagay homme du match a pé des bail. Et qui gon qui am te ka di ça? Et qui gen pile entre guillemets menti la dani. Alors, gen des clichés la dani, bab di menti cliché. Depuis Paris gon match et c'est Neymar qui a meilleur joueur ou bien Mbappé. Depuis Juventus gon match, Cristiano Ronaldo fait gol la dani, c'est Cristiano Ronaldo meilleur joueur. C'est vrai que Neymar était vraiment intéressant dans match hein? Et mais si on regarde le scénario match en lui-même avec Neymar, Paris a perdu match. Donc court match a changé, c'est deux changements ça, c'est Choupo-Moting avec Mbappé. Surtout la rentrée de Mbappé qui changeait phase match. Donc comment pour bailler Neymar meilleur joueur match comme ça? Et ça me vraiment pas comprendre parce que Neymar était sous terrain, Paris était en difficulté et c'est la rentrée de Mbappé qui changeait physionomie match. Non seulement le fait Atalanta reculer et deuxièmement, c'est lui-même qui fait passe décisive deuxième goal. Donc non seulement présence lui et changer match tactiquement, mais c'est lui-même qui est très décisif sur deuxième goal là, goal qui permet Paris Saint-Germain faire décision. Donc moi si j'en comprends mal Mbappé et Neymar fini meilleur joueur. D'ailleurs, monsieur et prend trophée ça li bail Choupo-Moting ni et est-ce que c'est well pas mérité li? En tout cas, et son très beau geste. Donc félicitations à Neymar quand même qui réagit comme ça. Donc qualification du Paris Saint-Germain au dépens de l'Atalanta de Bergame. Jeudi, alors Paris pral retan vainqueur RB Leipzig face à l'équipe Atlético de Madrid là. Moun ki gagne le match ça, la peut qualifier pour la joindre Paris Saint-Germain. Mais côté l'Italie, tu as gagné en pile déception parce que c'est dernier club italien qui est engagé dans la Ligue des Champions. Gazzetta dello Sport fait non et pas de cette manière, pas comme ça. Et OK, on t'a éliminé mais pas dans un scénario cruel ça. On a mené 1-0, prend deux goals dans trois dernières minutes. Yo. Scénario ça a semblé étrangement et bien dit semblé, c'est pas tout à fait ça. À scénario match France Italie Euro 2000 là. Côté que italien ont pensé au gagner match et puis dans fait de rencontre et Sylvain Wiltord d'avoir légalisé et puis en prolongation gagné goal sac d'avoir fait superbe reprise de Trezeguet qu'a logé dans le Lucarne Francesco Toldo 2-1 pour la France à l'époque, la France était champion d'Europe. Donc son scénario qui semblait même si match ça lui-même Paris Saint-Germain Atalanta pas arrivé dans prolongation. Corriere dello Sport maintenant une et tout, mon Dieu quel DS. Et pour faire référence à parcours équipe Atalanta de Bergame là, son équipe vraiment faut que nous saluer et il y a pas un gros budget. Quitte ses entraîneurs, quitte ses joueurs, tout joueur Atalanta yo, yo touché moins scob que salaire Neymar. Toute équipe Atalanta plus entraîneur a te vinn bo 32 millions d'euros de salaire. Ça relé masse salariale. Alors que Neymar pour compte parle a percevoir 36,8 millions d'euros. Ça veut dire Neymar touché plus scob que toute équipe Atalanta net. Donc qui sur le plan budget, c'est pas son petit formation. Même sur le plan historique, tout Atalanta son petite équipe, donc qui fait parcours ça, c'est bagaille qui vraiment intéressant. Donc qui Corriere dello Sport t'est tenu à saluer ça et tout au sport mettez dans une nuit jodien fier de vous, fier de la formation et bergamesque, c'est de ça tout au sport parler. Corriere dello Sport partager une nuit avec Cristiano Ronaldo. Hier nous t'a bien information ça, nous t'a dit que la présence de Cristiano Ronaldo et de Dybala plombait les finances de la Juventus de Turin. Dybala, c'est pour bientôt 10 millions d'euros de salaire et Cristiano Ronaldo, c'est 31 millions d'euros de salaire. À eux deux, il y a 41 millions d'euros de salaire. Nous avons le classement gris salarial. Là, Juventus en troisième position derrière le Real avec Barcelone dans affaires masse salariale. C'est eux-mêmes qui payent pichet, qui payent joueurs pichet en termes de salaire moyen. Donc, Juventus de Turin a besoin de fonds passer main non, et effectif. Il y a besoin de fonds lifting. Et sportivement, ça a un impact, mais économiquement, la mieux pour l'équipe Juventus. Donc, il y a un joueur ça, Juventus a rien mais débarrassé le duo. À cause de la crise coronavirus, non, Juventus n'a pas joué un preneur. Acheter Dybala ou Cristiano Ronaldo
dans le contexte là, son bagage qui est très compliqué. Dybala son joueur évalué à 90-100 millions d'euros. Et Cristiano Ronaldo son joueur jusqu'à présent évalué à 110 millions d'euros malgré son âge très avancé, 35 ans. Jorge Mendes, qui c'est actuel agent Cristiano Ronaldo, qui ça monsieur fait? Monsieur marché proposer service Cristiano Ronaldo dans grosse écurie européenne. Monsieur a rendez-vous avec Leonardo puis on discuter de faisabilité projet ça pour Paris Saint-Germain t'a acheté Cristiano Ronaldo pour ta constituer attaque Neymar, Cristiano, Mbappé. Eh bien Jorge Mendes proposer Cristiano Ronaldo à équipe FC Barcelone. D'après Sport, Jorge Mendes contacté dirigeant barcelonais puis regarder qui Jean Cristiano Ronaldo t'est capable jouer dans FC Barcelone. Eh bien Barcelone répond négativement parce que Barcelone pas gain moyen pour financer une telle opération, un tel projet. Non seulement coût d'acquisition Cristiano Ronaldo doit coûter énormément cher et là au moins dans 110 millions d'euros malgré son âge avancé, j'aime t'a dit tout à l'heure, et Cristiano Ronaldo bral prend de la place dans grille salariale équipe FC Barcelone qui déjà très élevé. Donc problème cob fait que Barcelone pas ca rentrer dans logique fait acquisition Cristiano Ronaldo malgré yo proposer Cristiano Ronaldo à équipe FC Barcelone. Donc Cristiano Ronaldo c'est bral quand même et aux alentours de 30 35 millions d'euros de salaire alors que Barcelone gain problème pour et avec Coutinho qui coûtait trop cob 18 millions d'euros de salaire. Et Griezmann qui va faire une grosse saison, qui a une moyenne sous 5 ans, qui a touché 21 millions d'euros par saison, 105 millions d'euros sur 5 ans. Et Umtiti qui a touché 9 millions d'euros et sportivement, pas bail, gros satisfaction. Et puis, gagné Dembélé qui a touché 12 millions d'euros dans l'équipe, ça, qui a pédé blessé. Donc, qui est en Barcelone pour gérer ma salariale, l'issile tapant Cristiano Ronaldo. Donc, son opération qui est impossible. D'ailleurs, nous voyons qui difficulté Barcelone gagne pour conclure le dossier Lautaro Martinez qui est 111 millions d'euros seulement. Donc, Barcelone décliné proposition ça et que Jorge Mendes seul proposer Cristiano Ronaldo au FC Barcelone. Jeudi à 3h, RB Leipzig pour rencontrer l'équipe Atlético de Madrid. Là, si nous avons fait information sur Matsa. Et son match cap joué dans Estadio José Alvalade à Lisbonne. Arbitre là son polonais qui est Simon Marciniak. Donc qui c'est dans stade quart de finale que Matsa l'a joué. Forme de équipe yo, équipe Leipzig l'a arrêté son victoire devant équipe Augsbourg en la dernière journée championnat d'Allemagne. Il était perdu devant Dortmund 2-0, il était fait match là avec Düsseldorf 2-2, il était bat Hoffenheim, il était fait match là avec Paderborn. Il était sous deux matchs nuls, deux victoires et une défaite dans cinq derniers matchs pour l'équipe Leipzig. Pour l'équipe Atlético lui-même, Atlético était sous trois victoires et deux nuls. Et Atlético finit très fort le championnat espagnol. C'est une équipe qui profitait et qui progressait post-confinement. Donc Atlético était le 3 juillet 2020 bat Mallorca 3-0. Il fait match la Celta et 1-1. Il bat Betis 1-0. Il bat Getafe 2-0. Et puis il fait match lors de la dernière journée avec Real Sociedad. Donc il était sous trois victoires et deux matchs nuls. Équipe Atlético, pardon. Et deux formations pour que j'aime rencontrer. Donc zéro victoire, zéro nul et zéro défaite. Une pour que j'aime rencontrer avec l'autre. Et il y a quelques déclarations qui faites concernant le match. Leipzig a remporté 7 dans 14 matchs qu'il jouait en UEFA Europa League. Bilan, c'est 7 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Deuxième dans la Liga en saison 2018-2019, Atlético a disputé 10e campagne UEFA Champions League. Et côté que le qualifié d'un match à élimination directe pour la 8e fois. Alors, déclaration, Diego Simeone, entraîneur de l'équipe Atlético, monsieur déclaré que nous avons un super match face à une bonne équipe qui est entraînée par un jeune entraîneur qui a fait un très bon travail. Nous n'avons pas eu le choix, il faut que nous gagnions. Moi, je pense seulement et uniquement à Matsa. Moi, je veux pour nous prendre contrôle du match le plus rapidement possible. Ce n'est pas juste. Et c'est pas juste. Et ça qui est important, c'est gagner un match. C'est ça qui est seule option. Nous.
Peter Goulashi, qui c'est gardien équipe RB Leipzig, monsieur fait connaître que son match spécial pour nous toutes et dans le groupe, c'est-à-dire dans l'équipe Leipzig. Et nous avons un pile joueur qui ici depuis 4 ou 5 ans, son nouvelle chance pour nous démontrer qui ça nous capable de réaliser. William Nagelsmann, qui c'est actuel entraîneur équipe Leipzig, monsieur lui-même tout lui fait des déclarations. Monsieur dit bon, nous-mêmes nous voulons jouer football pas nous, nous pas penser avec adversaire. Nous connaissons que vous possédez énormément d'expérience dans la confrontation aller-retour. Mais tout bagaille possible sont match unique. Donc, Atlético de Madrid n'a pas l'habitude de match unique, ça, pas plus que nous-mêmes. Donc, monsieur, relativiser la situation. Et ça, le dit assez vrai. Et Atlético habitué dans match aller-retour. Mais son seul match ou éliminé, hein, Atlético pas habitué à ce genre de situation. Donc, joueur Julian Nagelsmann a battu l'équipe Tottenham 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. 1-0 la CAI Tottenham, 3-0 la CAIU. Donc, pour première double confrontation club blanc dans la phase d'élimination directe dans UEFA Champions League. Donc, c'est l'autre sensation et compétition ça après équipe Atalanta, c'est RB Leipzig. Et tous les deux finis en troisième position dans le championnat la CAIU. Atlético finit troisième dans le championnat espagnol, là. Leipzig finit troisième dans le championnat allemand. Bilan Atlético en quart de finale de Ligue des Champions, c'est 6 qualifications pour 3 éliminations. 2016-2017, il était battu Leicester. 2015-2016, il était qualifié sous Barcelone. 2014-2015, il était éliminé devant Real. 2013-2014, il était qualifié sous Barcelone. Et 96-97, il était perdu devant Ajax. 77-78, il était perdu devant Club Brugge. 73-74, il était qualifié sous Étoile Rouge de Belgrade. Et puis, en 70-71, il était passé sous Legia Varsovie. Donc, Leipzig lui-même l'a affronté en équipe espagnole en match officiel pour la première fois de son histoire. Donc, équipe RB Leipzig, son jeune équipe que lié qui n'a pas gagné 10 ans depuis le monté en première division allemande. Donc, c'est ça que fait histoire, équipe RB Leipzig. Et c'est comme si Mdado, son page blanche, nous a fait Ligue des Champions en phase ça. Donc, c'est première rencontre en deux formations. Leipzig disputé seulement 9 rencontres dans la phase élimination directe de compétition UEFA, alors que Atlético finaliste à 2 reprises dans 7 dernières années. Mon autre bail m'a fait remarquer encore, année perdue, équipe Atlético a toujours été loin en compétition européenne de club. 2010, il a fait finale Europa League. 2012, il a fait finale dans Europa League. 2014, il a fait finale Ligue des Champions. 2016, il a fait finale Ligue des Champions. 2018, il a fait finale Europa League. Et 2020, là, point d'interrogation, est-ce qu'il a battu Leipzig? Est-ce qu'il a battu Paris Saint-Germain? Puis il a fait finale encore. Est-ce que tendance a confirmé année période depuis 2010? Équipe Atlético a toujours été très très loin en compétition européenne du club. Donc, pour premier quart de finale, équipe Leipzig là a affronté un habitué des matchs couperets en UEFA Champions League, Atlético de Madrid, dans le stade Estadio José Alvalade de Lisbonne, qui c'est entre équipes Sporting. Donc, si nous avons gardé. Alors, 11 probables de formation, c'est très important. Composition probable de l'équipe, puisque nous connaissons l'équipe Atlético a gagné des joueurs qui n'ont pas. Présent. Atlético a dû jouer dans 4-4-2 classique avec Jan Oblak dans le camp, Kieran Trippier, arrière latéral droite, Jiménez avec Savic, de arrière centre, puis Renan Lodi, arrière latéral gauche. Mais dans le terrain, tu as dû gagner la donne Koke, Ander Herrera, Saul Niguez avec Yannick Figueroa Carrasco, et puis en attaque, Llorente avec Douglas Costa, Diego Costa. Joueur qui est absent, c'est Simé Versalco qui gagne coronavirus et puis Angel Correa qui gagne coronavirus. Joueur qui est incertain, c'est Thomas Partey qui gagne problème musculaire. Pour l'équipe RB Leipzig lui-même, il y a Peter Goulassi qui t'a supposé dans le camp, qui sont autrichiens, qui sont hongrois, pardon. Et dans la défense, son défense à 3, Klostermann ou Pamecano avec Alstenberg, 3 arrière centraux. Mitterrand, Lehmer, Sabitzer, Kevin Campbell avec Mukiele. Et puis en attaque, Emile Fosberg, et Christopher Nkunku avec Patrick Schick. Une plus grosse perte, équipe Leipzig, c'est Timo Werner qui quitte l'équipe ça, qui a joué en dans l'équipe Chelsea. Pour quelle raison? Est-ce que c'est Chelsea qui n'est pas d'accord? Joueur arrêté dans Leipzig encore.
Est-ce que c'est Timo Werner qui choisit délibérément de jouer dans l'équipe Chelsea sans pour autant? Alors, je pense que le choix ça est très curieux, est très étonnant. Étonnant parce que Timo Werner a doit signer avec Chelsea et il dit retourner fin jouer Ligue des Champions parce que son occasion rêvée la chic un bagage bout match ou qualifier ça n'importe équipe capable champion. M'a fait songer que Paraguay fait finale Coupe América 2011 sans le pas gon match. Depoulan gen et bout match ou qualifier ou capable faire n'importe qui résultat et puis ou champion compétition. Lèm di n'importe qui résultat ou gen droit ou pas obligé gagner tout match pour champion compétition. Et l'Argentine 90 pas aussi fameux que ça. Argentine qualifié avec yon victoire, yon nul, yon défaite. Dans deuxième tour là, c'est seul Brésil yo bat. Yo bat Brésil 1-0. Quart de finale, demi-finale, yo passé dans séance de tir au but et puis elle tombé la finale devant l'Allemagne. Donc by deux exemples de compétition formule de coupe côté que équipe yo pas gagné, pas obligé gagner tout match pour yo champion. Donc l'Argentine pas de champion 90, c'est vrai. Et Paraguay pas de champion Copa América 2011 tout, c'est vrai, mais il est arrivé très loin dans la compétition. Donc pour que ça Timo Werner pas rester dans l'équipe Leipzig là, après ça en septembre, il t'a pas jouer pour équipe Chelsea normalement parce que s'il quitte Leipzig, il pas capable jouer reste Ligue des Champions pour Chelsea. Son choix qui est étonnant et m'pas ouais pour qui ça choix ça. Donc côté équipe Leipzig là, joueur qui est absent c'est Konaté qui blessé la hanche. Donc qui pas jouer match football ça. Donc voilà, Atletico face à équipe RB Leipzig là, c'est pas jeudi à 3h de l'après-midi. N'a pas posant, tourner. N'a fait et nous allons parler de mercato hein, et puis n'a entré et dans interaction avec le public là. Haïtien qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est Ona Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays qui vivent là, tout service lié tant qu'on est Haïti. Quitte pour ouvrir canet Ona, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance, vieillesse ou et la trier, service Ona Diaspora qui l'ouvre 7 sous 7, 24 sous 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Pour cette diaspora, ou bien l'idée d'investir investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de copes prêtées qui ont crasé intérêt, Ona Diaspora. C'est solution, hein? Ak Ona Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre pas en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur le service Ona Diaspora, al sous site internet nous, www.ona.ht, ou soit page Facebook ak Twitter Ona Haïti, ou sinon, relez dans le numéro 2817 0558. Ona, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Mayo. BNC Actam Transfert décide de marier compétence avec expérience pour résoudre le problème transfert. À partir de jeudi, à même, ou Kaman des formes ou Axamou ou Kilot Bodlo, pour yon fait tout transfert pour dans Cam Transfert. Ou êtes capable de prendre dans BNC sans problème. Ou bien, tout fait yon déposer sous compte de la BNC. C'est le côté où yon garanti ou avez joué un plus bon service. Et pas bonne nouvelle ou t'as demandé, mais bonne nouvelle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Mais yo. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans monde là. Ministère santé publique mande tout monde rester veatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, ak zanmi nous. Évitez main bouche nous, gène ou soit nez nous sans main nous pour ko laver. Nous devons toujours laver main nous ak l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver menou? Laver menou ak l'eau propre. Ak savon en batio. Ou soit mande moun vide de l'eau sous menou. Bien mouye menou en fan nous savonne. Frotezon, point doit blame ak do menou. Bien rese menou et puis souke menou pour yo sécher. On nous yon veye sous l'autre, on nous yon protéger l'autre. Pour plus d'informations, relevez 43 43 33 33 au 76. C'était un message, ministère santé publique à population.
Nous tournons pour deuxième partie émission. Je nous annonce que nous allons parler du journal du Mercato. Après ça, nous allons entrer dans le basketball NBA. Et puis, pour nous finir avec l'interaction avec le public, là, je nous habitue à faire à chaque édition de Sportmania. Donc, je nous dis là, nous allons parler du Mercato. Hein? Mercato gagne équipe Paris Saint-Germain par voix directeur sportif Lidia Orlando. Qui déclarait que les pas prolongés et Thiago Silva en tant équipe Paris Saint-Germain. Thiago Silva a été prolongé pour 2 mois. Donc, contrat a fini le 30 juin 2020, mais à cause de la crise coronavirus et Ligue des Champions qui vient tomber dans le mois d'août, alors il était obligé de prolonger Thiago Silva pour 2 mois, et 31 juillet jusqu'à 31 août. Donc, après 31 août 2020, contrat Thiago Silva avec Paris Saint-Germain fini. Et M. Ab libre pour engager le côté levé parce que Paris Saint-Germain pas prolongé. Manchester United intéressé à Ousmane Dembélé. Manchester United cap chercher un ailier pour compléter trio d'attaque client. Et nous connaissons que Mason Greenwood pas fin établi net et pour qu'on fin cuite. Donc, il y a besoin de joueurs qui jeune mais qui fait preuve déjà et sur le plan international. Donc, il était déjà dans son show et projet ça prend du plomb dans l'aile. Eh bien, yo al rabattu sur Ousmane Dembélé qui a un problème tant de jeu en dans l'équipe FC Barcelone. Donc, pas vraiment tant de jeu mais qui a des blessés en dans FC Barcelone. Donc, deux parties pour qu'on entende. Est-ce que sont prêts? Est-ce que son transfert sec? Donc, combien coupe Manchester United a mis deux pour le racheter ce contrat? Ousmane Dembélé, en tout détail, ça nous pourquoi qu'on est au Manchester United en plan C intéressé parce que plan B c'est plan A c'est Jadon Sancho, plan B c'est Ansu Fati, plan C c'est Ousmane Dembélé. Et puis Milan AC qui t'a aimé en force lui, Milan AC fait un off donc prêt payant à Chelsea pour Bakayoko, Timoué Bakayoko. Et Milan a prêté Timoué Bakayoko là pour faire 3 millions d'euros pour lui. Après ça, Prea a sorti donc option d'achat de 35 millions d'euros. Donc, son joueur qui d'abord a coûté Milan AC 38 millions d'euros, 3 millions d'euros sous forme de prêt et 35 millions d'euros pour yo acheter joueur dans l'équipe Chelsea. Donc, c'est off ça que Milan AC fait à Chelsea. Chelsea pour qu'on réponde. Et puis, Milan AC intéressé à milieu de terrain qui est Lucas Torreira. Lucas Torreira, son Uruguayen qui a joué dans Sampdoria des jeunes. Que Arsenal t'a acheté époque où on a émérité là, mais à ce qu'il paraît, Mikel Arteta pas trop intéressé à footballeur ça. Mikel Arteta plus remet des joueurs très fins techniquement, des joueurs de possession, des joueurs de conservation, alors que Lucas Torreira son destructeur de jeu que lui, son récupérateur de ballon. Donc qui profil monsieur pas aller avec philosophie de jeu Mikel Arteta. Donc Milan AC t'a aimé récupérer monsieur parce que Milan AC sur le point pour le perdu, il y a un milieu de terrain qui est Bennacer, que Manchester City très intéressé avec. Et puis l'autre et cause de transfert encore, Dybala capable aller dans Real ou bien Manchester City. Si Juventus espérait toujours prolonger Paulo Dybala, et c'est pas à n'importe quel prix. D'après tout au sport, gagne des clubs qui montrent intérêt pour Argentin. Manchester City avec Real Madrid est capable, c'est deux seules équipes ça qui est capable et fait un transfert de 100 millions d'euros, mais tendance à aller vers une prolongation de contrat. Et puis, nous t'avons parlé de ça, Cristiano Ronaldo, son nec qui dans le doute. Échec Juventus dans 8e de finale de Ligue des Champions, hein, contre l'équipe Olympique Lyonnais, eh bien, l'irrité au travers de la gauche de Cristiano Ronaldo. Monsieur encore sous contrat pour 2 prochaines années avec Juventus de Turin, mais Quintus Ballon d'Or portugais a posé des questions sur l'avenir, d'après Corriere dello Sport. Attaquant envisagé yon départ vers le Paris Saint-Germain. Ça que ça nous a fait pas bon. Second contrat avec équipe là, contre 4 ans. Ou était 2 ans dans équipe là. C'est pas parce équipe là pas qu'à champion Ligue des Champions. C'est vrai. Dans match à élimination directe, c'est seul ou même qui fait goal pour équipe là, mais dégage ou mettre équipe là sous dos pour faire le champion, c'est pas courir pour challenge. Donc Cristiano Ronaldo envisagé aller dans Paris Saint-Germain, j'aime d'Abdoulan. Et parce que bon gen ba économique d'elle tout je veux dire là et pas grand pile monde qui ca payer Cristiano Ronaldo faut nous dire ça clair avec crise coronavirus là et club yo fait un pile manque à gagner
Donc, on jouait dans 35 ans, salaire li, entre 30 à 35 millions d'euros. Pas grand pile monde, pas grand pile club actuellement qui est capable d'offrir un salaire comme ça. Sous pareil, Manchester City. Real pas prendre encore. Real pas prendre encore. Florentino Pérez pas prendre. Des messages Florentino Pérez sont passés. Florentino Pérez, son nègre, il préférait vendre un joueur au lieu de prolonger. En songe histoire Claude Makélélé. Au lieu d'augmenter Claude Makélélé, il préfère vendre Claude Makélélé pour l'acheter l'autre joueur. Parce que les joueurs fait venir dans l'équipe là et en pile monde fait folie parce que son nouveau joueur va l'acheter maillot. Son stratégie marketing que lui. Donc et au lieu monsieur augmenter Cristiano Ronaldo parce que Cristiano Ronaldo te dit Florentino Pérez moi c'est Ballon d'Or en titre et faut moi toucher plus cob que Messi. Bon même salaire à Messi plus 1 euro en alors plus 1 euro. Même salaire à Messi, même mettez 1 euro sous lui parce que faut me toucher plus cob que Messi, c'est moi que Ballon d'Or en titre. Et son échange qui était fait vers 2017 pour le 2018. Eh bien, Florentino Pérez dit pas un problème. Florentino Pérez vend Cristiano Ronaldo au lieu d'y augmenter salaire lui. C'est politique Florentino Pérez même. Et l'a cherché une nouvelle tête de gondole. Et on connaît que Madrid 2022, hein, projet a c'est Mbappé, Eden Hazard et puis Erling Haaland. C'est trois nègres qui vont constituer trio d'attaque. Équipe Real Madrid, là, c'est ça que l'on projet et Florentino Pérez pour 2022. Donc, Real Madrid pas intéressé en retour de Cristiano Ronaldo. Destination possible de Cristiano, hein, c'est équipe Paris Saint-Germain parce que c'est eux-mêmes qui a payé. Basketball NBA, hier, tu as gagné un match en programme. Non? Indiana bat Houston 108 à 104. Et mon match était très serré. Victor Oladipo fait 16 points. Holiday fait 18 points. Marcel le font double-double, 18 points, 12 rebonds. Côté Houston, Robert Covington fait 11 points. James Harden fait 45 points, 17 rebonds et 9 passes décisives. Je demande qu'on gagne passe décisive pour le fond triple-double. Eric Gordon fait 13 points. Et puis PJ Tucker fait seulement 3 points dans le match basketball. Si là. Gagné Toronto qui bat Philadelphie 125 à 121. Là encore, un pile point. Seulement 4 points qui séparent deux équipes. Pascal Siakam fait 15 points. Powell fait 17 points et Vlan Vliet fait 10 points. Karl Lowry fait 19 points dans le match basketball. Ça. Tobias Harris fait 22 points. Josh Richardson fait seulement 10 points. Al Horford 9 points. Joel Embiid, qui pas joué en pile, Joel Embiid fait seulement 5 points. Et Jean Tabzoulan gagne Ben Simmons qui quitte Bulan parce qu'il est blessé. Miami tombé devant Oklahoma 115 à 116. Donc, un bel match basketball. Un point d'écart séparé deux équipes. Le match était très serré hier soir. Et puis, Los Angeles Clippers bat Denver Nuggets 124 à 111. Avec Paul George qui fait 27 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions. Kawhi Leonard fait 26 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Et puis, gagné Ivica Zubac qui font double-double, 15 points et 12 rebonds. Pour l'équipe Denver, Nikola Jokic fait 17.13 rebonds. Michael Porter, 11 points. Et puis Jamal Murray fait 10 points. De même que Torrey Craig qui fait 10 points dans le match basketball. Ça. Programmation pour aujourd'hui. Hein? C'est dans le moment où je parle voilà, là, Washington a mené 37 à 32 sur l'équipe Boston. Hein? Match a démarré. Gagné pour l'équipe Boston. Hein? Et en pile, vraiment en pile joueur de banc. Enes Kanter a joué, il a fait 4 points. Donc, Boston pas aligné, bon équipe liant. Nous connaissons que tout le monde a préparé playoffs. À 1h30, jeudi, Lakers a joué avec Sacramento Kings. À 4h, il y a Milwaukee qui a joué avec Memphis. Il y a Dallas Mavericks qui a joué avec Phoenix Suns à 4h. Il y a San Antonio qui a joué à 6h30 avec Utah. Gagné Portland Trail Blazers qui a joué à 9h avec Brooklyn. Et puis, gagné Pelicans à 9h qui a joué avec Orlando Magic. C'est programmation. Hein? Et dans le classement, un classement qui est très, très, très serré. Et surtout dans la conférence Westland, il y a une bataille pour la conquête de la 8e place qui est très intéressant. Portland 34-39, 8e. 9e, Memphis 33-39. Et puis 10e, c'est Phoenix qui 33-39 tout. San Antonio 32-38. Quatre équipes Sarab Goumen pour la 8e place. Mais jeudi, c'est Portland avec Memphis qui va l'on play-in si toute bagaille était comme ça. Et puis Milwaukee semble jouer avec Orlando.
dans premier tour playoffs, Brooklyn Toronto si ba yo être comme ça, Boston face à Philadelphie et puis Miami Indiana. Miami Indiana, son belle bataille qu'il tapie, deux équipes qui ont même bilan 44-28. Donc ils se tapent une belle bataille à l'Est. Et puis Lakers gagne le contre Portland, beaucoup connaît, et Clippers Dallas, c'est qu'on a le supposé, Denver face à l'équipe Utah, et puis Oklahoma face à Houston. Oklahoma Houston, deux équipes qui ont même bilan tout, 44 victoires, 27 défaites. Mais pour le moment, on attend toujours, puisque et c'est demain, dernière journée, hein, à jouer. Samedi, pas de match, dimanche, pas de match, et playoffs à démarrer, et dans le jeu qui est venu là. Donc, si je ne me trompe pas, c'est lundi. 37-82-19-22, 37-82-17-38. Deux numéros pour nous interagir avec le public. Là. Allô? Cher ami, comment est-ce? Donc, dans le positionnement par rapport à la complémentarité, c'est pas bien. Si c'est bon, je ne sais pas si c'est le débat et des occasions. Non, mais tout est en train de se monter à fond et considérer que vous courez à 100 000. Imaginez, gardez avant de venir passer là. Et puis, gardez ce qui compte là et Martin de Santé. Même dans ce moment-là, comme vous venez de comprendre le pardon. Et puis, moi, je veux dire, quand on comprend une équipe qui capte son superstar par rapport avec Atalanta, effectivement, avec Paris, qui vient de l'image de l'individualité. C'est d'abord un premier fait. Dans son sport, nous avons un sport avec talent, mais l'équipe qui joue bloc, l'équipe avec on l'a fait qui vient même, qui a fait des décisions voulues, c'est le plus important que le plus belle. Bon, et. Football là gain côté ça là dernier pas un problème et li gain côté équipe là mais gon côté non match non moment qui vivent en dans compétition ou besoin des joueurs des grands joueurs pour capable faire décision c'est très important et donc je pense que c'est ça qui vivait hier surtout avec la montée de Kylian Mbappé qui changeait court match là. Et ou après que Mbappé était vraiment vieux voltant. Alors que, et côté Atalanta, par exemple, Luis Muriel, tout 2-1, Luis Muriel joue un côté pour le faire égalisation. Mon ouais que je vois aller, il manquait. Si son joueur qui était pire au niveau toujours, je pensais que, par exemple, bon, même si je vois aller très loin, on joue avec Baptiste Touta, ça c'est 2-2. Dernière occasion, Luis Muriel joue, non? Ou est-ce qu'on est capable de gommer un ballon? Jusqu'à ce qu'ils font mauvais choix, ils pas aller directement dans le camp. On est avec Baptiste Touta, Ronaldo Dalima là, c'est 2-2. Claire, c'est 2-2 le tapis. Et oui, ou besoin collectif là, mais ou besoin tout des joueurs capables de faire la décision. N'a pas auditeur souligne. Oui, allô? Merci beaucoup. Parce que Neymar est un meilleur joueur. Parce que j'ai une fois mon Neymar après Fata Paris, mon niveau d'avion hier. Avant ça, c'est trop pas de mal parce que Neymar est la seule à qualifier. Ça me passe deux. Mal basé maintenant avec Bayern. Parce que la seule à se qualifier, Fata Bayern. Bayern favori, mais c'est un grand match. Son grand match, Barcelone qui a battu n'importe qui équipe. Son grand match. Surtout le game si la donne. Mais Barcelone n'a meilleure forme que équipe. Que équipe. Alors, Bayern n'a meilleure forme que équipe Barcelone. Oui, mais est-ce que Papa Bouta est tourné Dembélé? Est-ce que Dembélé, Michel Dembélé, la Bouta est tourné Barcelone? Il est effectif là. Est-ce qu'il a mis le bac? Oui. Mais il est effectif là. Lila effectif là, donc il est disponible pour jouer.
Ah, ok. Allez, d'accord, on fait plus frais. Merci beaucoup. Oui, allô? Ah, allô, bonsoir, Fredo. Comment ils aiment? Ah, bien, on est toujours bien chez Mission, hein, c'est Mme Enzo. Salut, Enzo. Moi, je fais une approche, c'est côté de ma communauté, la MIEJR. Et puis, au début, on va comme MIEJR, malgré les ma congés qui. Libère un peu dans ce monde. Moi-même, je suis capable de dire que je suis capable de me dire parce que soit regarder qui parle, il y a des gens qui sont à l'anima. Et soit regarder qui est bon et qui va la rendre à faire, c'est un dégagement qui fait partie de l'univers qui est dans un seul plan. Et je suis tellement beaucoup, là, je suis un Mbappé, comme je suis un Mbappé deuxième période. Et puis, ouais, Mbappé avec Neymar, une permutation, ou bien Neymar vient à l'en souffle. Pablier seulement Neymar et pas capable de faire tout ça, voilà. Ok, et moi, je comprends, nous. Alors, faut. Et là, si nous trouvons Pablier et tout, côté Neymar, ben, pas de et Florent Villain, et tout ça, c'est juste pour faire plus de pression sur Neymar, après l'équipe là, c'est Neymar qui a plus de pression parce que Neymar, c'est déjà pas le signal, ça et tout ça, est acheté. Et maintenant, il n'y a pas de faire des décisions par rapport avec Mandy, Mimet et Mati Bogotil. Ok. Ça veut dire qu'on est rentré là, mais individuellement, il va pas répondre par rapport à son équipe qui attaque en bloc. Même si après, il y a une équipe qui joue sur l'individualité. Et surtout, le partenaire est un travail, il n'y a pas d'équipe là. Et puis, le partenaire est dans l'été 2000 ans. Et il n'y a pas de répondre. Et lui-même, Messi, au bagage pile goal dans la Ligue des Champions. Parce que demain, je n'ai pas plus de précision sur ça. Et parce que la Ligue a fait une heure, il faut que nous allions. Et mon capri, il est soumis au personnel. Bon, peut-être que c'est pour séminaire-là, puisque nous connaissons que séminaire-là toujours une place. Il était seulement 5 places. Et nous avons dit 7, qu'on a arrêté 5 mounes seulement que nous sommes capables de prendre au maximum. 32-03-81-91. Et puis 38 19 30 30, c'est deux numéros SAO qui sont disponibles pour nous capables de faire contact. Merci à tout le monde qui est débranché. L'autre prochaine sortie de Sport Mania sur Antenne Radio Ibo, c'est demain. Demain midi pour 1h. Bye bye tout le monde et à demain. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport. Un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invité, interview, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Fidèle au poste. Fidèle.